Et salut à tous et toutes et bienvenue sur frappestesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe solus, le Duke Nukem Forever. Hein, donc après une petite semaine de retard, hein, étant donné que malheureusement pour moi j'ai cassé mon micro suite à un mauvais mouvement de ma part, c'est-à-dire que je me suis pris le pied dans le câble et ça a arraché le câble de la prise jack. Et forcément quand la prise jack ne s'ouvre pas, c'est pas très pratique de la démonter pour pouvoir remettre le câble en place. Bref, j'en ai commandé un nouveau et on va encore une fois remercier la poste qui aura mis une semaine pour me livrer. Bref, en plus il y a le jour férié qui est venu se rajouter entre temps. Donc on reprend, en espérant ne pas vous avoir trop fait attendre. Apparemment les textures veulent bien se charger correctement, ce qui est plutôt un plus pour nous. Attention ! Oh, je me suis raté. Attends, attends. Mais... Ah, bandit. Comment se débrouiller comme une quiche, décidément. Ouais. Ouais, allez, ça va faire mal. Tu dis pas « ça va faire mal » devant Duke Nukem, mec. Tu dis « maintenant ça va chier » ou « on va les étriper », un truc dans le genre. Oh, ok. Allez, ça va chier dans leur trip! T'es vraiment con comme tes pieds, toi, hein! Petite référence, ça aussi, hein, c'est une réplique. Attention! Qu'est-ce qui se passe? Attention, planquez-vous! Tire ennemi! Ouais! Soyez prêts, les voilà! Oh mince! Ouch! Faut faire gaffe à lui là. Et je me fais avoir une deuxième fois comme ça. Voilà, c'est dès qu'on essaie de viser en fait, s'il arrive à nous avoir assez facilement. Aïe. Bon, j'aimerais bien me débarrasser de lui. Ah, mais décidément. Voilà, lui au moins c'est fait, et là il va falloir que je fasse très attention ce qu'il y a lui maintenant qui me court après. Au revoir! Pas bon l'esquive là. J'ai un mec qui se calme un petit peu. Vas-y, viens par là. Allez, rapproche-toi, s'il te plaît. Aïe. Ah, je t'ai eu quand même. Viens là, toi. Ah. Oups. Le plus dur dans ce genre de combat, c'est de réussir à esquiver les coups quand on recule. Allez, vas-y, fonce-moi dessus si tu le peux. Ah, voilà un chat. Ouch, je me suis quand même fait toucher, pas de bol. Allez, où? Bon, il y a sûrement un moyen plus rapide de le tuer, mais je l'ai pas encore trouvé, lui. Yeah, baby, yeah. Ouch, je me suis pris en pleine face, celui-là. Eh ben, mais, oh, comment ils font pas... Mais, j'arrive pas à m'éloigner assez, faudrait que je cours, en fait, pour être plus tranquille. Et je me fais avoir, j'ai pas su où m'échapper. Je joue vraiment comme une quiche, hein, désolé. Faut que je reprenne la main, comme diraient certains. Eh ben, voilà. De saleté de bestiole, et on va directement aller faire le plein avant qu'ils nous mettent un temps de chargement. Ah non, faut d'abord que je passe la porte là-bas. Hein, je t'ai bien eu, saleté, hein. Non mais oh, ils se prennent pour qui, ceux-là? Bon, tant pis, on aura laissé une mine ici.
On va quand même faire le tour pour vérifier si nous n'avons rien oublié dans le décor. Wow, j'ai eu un ok là pendant que j'étais en train de parler. Brr, ça m'a fait bizarre sur le coup. Bon là il me semble qu'on ne peut pas passer derrière de toute manière. Salut toi. Oh, le général Graves. T'as fait du bon boulot en abattant le vaisseau mère et en arrivant jusqu'ici, Duke. C'est dommage pour nos soldats qui y sont restés. T'inquiète pas, je me charge de prévenir les familles. Duke, le président s'est planté, vraiment. J'espère qu'il n'agissait pas délibérément, mais c'est pas le moment pour toutes ces questions, le temps presse. Les aliens débarquent par centaines. Ils ont pris le barrage, Duke. Le Hoover Dam. Leur technologie leur permet de contrôler les générateurs. Et ça leur permet de créer une sorte de trou noir dans le ciel. L'état-major a détecté des dizaines de chasseurs aliens sur les radars. La destruction de leur vaisseau-mère ne les a pas ralentis. Mais pour l'instant, nous avons d'autres problèmes. Ils enlèvent nos femmes, Duke. Je pense que tu comprends ce que ça veut dire. Putain de merde! Mais où ils emmènent nos poules? Il semblerait qu'ils les emmènent au Duke Dome. Je ne pense pas que le choix de tous ces lieux soit une coïncidence. Pour eux, c'est personnel. Il faut y aller, et décimer les forces aliens sur tous les fronts. J'ai demandé à ton vieil ami, le capitaine Dylan, de venir. Il sait comment tu aimes bosser. J'espère que les forces de l'EDF suivront ton exemple. Rejoins le Duke Dome au plus vite. Une avant-garde est déjà en route, mais il manque d'hommes et d'armes. On a besoin de toi, Duke. Plus que jamais. Yeah. I'm back. Et voilà, petit temps de chargement. Donc comme d'habitude, je vous le coupe. Hein, on passera très bientôt à Vegas en ruine. Allez, à tout de suite. Et voilà, chargement terminé. Donc c'est parti. Duke, merde, ça fait plaisir. Je savais que ces conneries de retraite, c'était des conneries. La retraite, conneries, ouais. J'étais en train d'aider mon pote à retrouver sa gonzesse. Putain, tu parles d'une fiotte. Graves veut que je t'aide à niquer ces putains d'extraterrestres, comme au bon vieux temps. J'ai hâte de leur défoncer le fion. Ah ouais. Bonjour. Bref, après un discours aussi travaillé, nous allons pouvoir nous rendre vers ce fameux petit monsieur là-bas qui veut nous proposer quelque chose. Ouais, on s'en va, je sais. Duke, on vous a apporté votre belle armure verte, si vous la voulez. Les armures, c'est pour les Tarlouz. D'accord. Vous préférez une arme ? Voilà. Vous avez une petite référence à un autre jeu, je pense qu'on a tout compris, c'est l'armure, ou tous vu. C'est l'armure du Master Chief avec un logo, le joli logo Duke Nukem dessus. Hein, donc l'armure du Master Chief hein, dans Halo, notre jolie armure verte. Et Duke répond, l'armure c'est pour les Tarlouz. Voilà, donc c'est tout beau, tout bon, on la prend pas. Toujours est-il que cela fait partie d'un succès qu'il y a dans le jeu. Vous avez trois armures à récupérer, dont je ne vous dis pas à qui appartiendront les armures suivantes. Enfin, à qui appartenaient les armures suivantes, parce que j'imagine que si le mec il est plus dedans, c'est qu'il est plus là pour la porter. Bref, autrement dit, Duke survit contre les aliens, les autres, non. Bref, ici, bon, on peut changer d'arme si on le souhaite. Personnellement, j'aime bien le fusil à pompe, donc je vais le garder. Quoique cette arme-là pourrait être utile, je vais la changer, cette arme-là pourrait être utile contre d'autres types de bestiaux. Voilà, donc on va changer quand même. Petit coup d'œil sur notre bâtiment qui est en bien piètre état. Oula, j'ai eu du mal à le prononcer. Bien mauvais état, c'est aussi allez, vite. On dégage. Là, on peut faire le plein de munitions. Et c'est parti. Faut qu'on se mangue le cul. Ouais, je sais. Ennemi repéré. Ah, annihilation. Tué sans alien. 50. Ouh. Attention, kaboum, kaboum, wouhou! Attention, là, il y a un autre qui arrive.
suis le Duke. Je suis le numéro 1. Voilà, on se remise là-haut. Hop, en moins. Le suivant, il est où? Il est là. Là. Alors eux, vous pouvez les avoir assez facilement quand ils sont en l'air. Dans le sens où quand ils se déplacent en jetpack, vous pouvez leur faire exploser le jetpack. Alors là, faire attention, maintenant c'est là que ça va être plus compliqué. Avec eux là. Qui arrivent. Il y en a un qui a réussi à passer derrière, faut que je fasse gaffe. Ils sont encore plus moches quand ils sont morts. Voilà. Zone dégagée. Quelqu'un a une clope? Désolé, je fume pas. Mais par contre, si tu veux, j'ai du feu. Allume ta cigarette avec mon flingue. Alors... Bon, vous remarquez, on aurait pu facilement utiliser les stories d'ici, toujours est-il qu'il est assez facile de les abattre. Donc, on les garde pour plus tard. C'est mieux comme ça. Enfin, du moins, je préfère faire comme ça. Mais, encore une fois, ce n'est que mon avis. Oh, une jolie pince, on dirait. Je sais pas trop ce que c'était. On va aller voir de plus près, si possible. Bon, voilà, si jamais vous avez pas pensé au bloc de munitions qui est là-bas, enfin, au pack de munitions qu'il verse de la part de l'EDF, là, hein, vous avez des munitions au sol, hein, de la part des porcs aux flics. Ça fait quand même un sacré décor apocalyptique, hein. Avec l'alarme... des pompiers qui sonnent. Alors je vous rappelle, cette alarme aussi, s'il la déclenche tous les mercredis, les premiers mercredis du mois, il me semble, hein, c'est pour la tester, parce que si jamais il y a une attaque à la bombe, ce genre de choses, c'est cette alarme-là que vous allez entendre sonner. Enfin, ouais, résonner comme vous voulez. Bref, bon, bah, je pense que nous avons fait le tour de ce niveau-là. On va pouvoir continuer. Alors un conseil, évitez de partir sur la droite. Vous aurez plus de possibilités de vous en sortir sur la gauche. Enfin, encore une fois, c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est mieux en passant par ce côté-là. Qui veut bouffer un bon rôti porc? Quoi, il y en a un juste à droite là. Hop là. Bon, j'utilise pas mal de balles parce que je ne sais pas viser. Attention, tirez-y! Trop tard. Quoi? Voilà. Non mais oh. Ici c'est moi qui fais le chef. Arrête de bouger, toi. La zone est sûre, chef. De te buter. Ouais, j'en aurais quand même bavé, hein. Non, parce que c'est vrai que je tire comme une quiche. Ouais, c'est ça, une quiche. Je vais récupérer quelques munitions par là. Voilà. Histoire d'avoir mes 64 balles. Et on retrouve nos collègues juste ici. Il fait Graves sur ce merdier. Vas-y, passe devant et emmène Jenkins avec toi. C'est le seul mec ici qui soit assez taré pour accepter de t'accompagner. Chef, oui, chef. Ce sera un honneur de vous escorter, monsieur Duke Nukem. Chef, en route. Une, je recule. Deux, je recule et je fais tout péter. Yeah, baby. Donc... Je sais pas s'ils vont aller plus loin sans moi. Ah ouais, je t'en laisse. Donc ils sont juste au-dessus en train de monter sur le côté là-bas. Mais je venais ici juste pour vous montrer que vous avez un peu la possibilité de trouver un fusil à pompe. Hein, des petites fontaines pour boire un coup. Un truc à exploser. Je file un dollar pour ça. Pour trouver des bières, etc. Hein, vous avez dedans aussi différentes mines. Enfin différentes mines, des mines tout simplement. Voilà, inutile de passer par là. Bref, on va les rejoindre maintenant. Ah, le chat se tire. Je crois qu'il commence à avoir faim. Duke. Duke. Dylan. Bref. Je te suis, vas-y. Attention, tire ennemi. Où ça? Leroy, putain. Hop là. Donc là, j'ai réussi à avoir le jetpack, voilà ce qui arrive. C'est quand même pratique, cette arme-là, pour ça. Je vais repeindre la ville en rouge. Arrête de me tirer dessus, toi, là-bas.
Hop là, éloigné. J'ai plus de facilité à leur tirer dessus quand je suis là. Enfin, quand je suis là, quand je suis avec cette arme-là. Peut-être qu'elle est plus efficace. Je ne sais pas, j'ai peu l'occasion de tout tester sur ces ennemis-là. Alors là aussi, il va falloir faire gaffe. Comme d'hab, il y a les porcs aux flics. Combien de côtelettes je peux en tirer? Plus qu'un. Alors voilà, vous avez aussi les mecs avec des... Alors aussi, au-dessus, il va falloir faire gaffe. Hop là, donc j'en ai fini. Hop là, après, généralement, je me planque par là, ce qui... soit ils apparaissent plus près, soit ils réapparaissent plus loin. Voilà, ce que t'entends, ils se téléportent juste à côté de nous. Donc il est plus dangereux. Alors ils ont... Je vais vous expliquer ça si possible. Voilà, lui atterrit toujours sur la voiture après. Le Vlider. Et vous voyez, il reculera toujours de toute façon. Mais des fois, il apparaît pile dedans ici. Voilà, il remonte, enfin il saute, il atterrit toujours au même endroit. Donc ne vous cassez pas la tête, hein. Voilà. Ils ont des points bien précis où ils peuvent réapparaître. Alors j'essaierai de vous les montrer au mieux. Voilà, là, vous voyez, il réapparaît toujours au même endroit. Allez, vas-y. Il va se placer à gauche de la voiture, il va sauter, retomber dessus, comme d'habitude. C'est très très scripté à ce niveau-là. Enfin, il atterrit toujours au même endroit, comme je vous dis. Là, il va apparaître là. Voilà, il revient à sa place. Ah, lui est apparu plus près cette fois-ci. Ah, lui aussi. On va laisser monter sur sa voiture, lui, puisqu'il en a envie. Allez, vas-y, monte sur ta voiture. Monte sur ta voiture, je te connais, vas-y, monte. Ah, t'as bien envie de me faire dire le contraire, toi. Hein. Viens par là. Ah, elle va être atterrée sur le camion. Gagné. T'inquiète pas, j'en ai d'autres en réserve. Exactement, petit, exactement. Voilà, donc, normalement, c'est tout bon, ici. Là, il n'y a rien à voir. Je vais leur faire bien mal. Exactement. Saleté de porc aux flics. Voilà, je récupère quelques munitions supplémentaires. Au moins, c'est bon. Alors oui, comme je vous le disais, ces ennemis-là se téléportent généralement à des endroits bien précis. Donc comme vous l'avez vu, ils se téléportent là. Ils peuvent aussi se téléporter ici. Et ils peuvent se téléporter là-bas. Alors généralement, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous commencez à leur tirer dessus, ils peuvent se téléporter et arriver juste en face de vous. Donc à ce moment-là, vous n'avez juste qu'à vous mettre là et vous tirez quasiment en continu. Toujours est-il qu'ils peuvent apparaître juste derrière vous par ici. Et du coup, là, ça devient plus embêtant. C'est pourquoi je vais souvent me cacher maintenant par là. Dans le sens où ils ne peuvent pas apparaître dans ce recoin ici. Du coup, je me planque et comme vous le voyez, ils peuvent apparaître ici. Vous avez la possibilité de les abattre avant qu'ils repartent. Donc c'est quand même bien pratique. Voilà. On va continuer par là-bas. Alors voilà, au bout d'un moment, je me tire. Non, c'était pas ça que je voulais. Ah, je me suis trompé. Bon, normalement, je suis bien plus résistant. Mais c'était pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais les stéroïdes, moi. J'aime pas les pourceaux. J'aime pas les pourceaux. Tu parles d'une blague. Alors, en fait, je voulais pas prendre la bière, je voulais prendre les stéroïdes. Parce que ça m'aurait permis de les abattre assez facilement. Et en plus, là, vous en avez plus une nouvelle bouteille. C'est plus de cubes beauté. Voilà, donc j'ai utilisé de la bière pour rien. Mais donc, je vous le dis tout de suite, hein, utilisez les stéroïdes au lieu des espèces de mitrailleuses ici, là, enfin des sulfateuses, vous serez bien plus tranquille dans le sens où vous allez tous les éliminer en un coup, et vous en avez toujours juste ici, les stéroïdes. Donc vous êtes plus tranquille pour les éliminer et pour en avoir toujours en stock. C'est mieux comme ça, selon moi. Après, cela reste encore une fois un avis personnel, mais bon, chacun joue comme il veut. Alors ici, surtout...
on fait l'effort de le prendre, ce truc, parce qu'il va nous être utile. Et on descend. Ouh! Ils ont fait un gros trou. Bienvenue au front. Ravi que t'aies pu venir. Hey, Duke, ils ont complètement défoncé la rue. Il va falloir passer par les égouts si on veut arriver jusqu'au Duke Dome. Putain de merde, il réplique! Sortez vos côtes Michel et Bibiche! On va leur défoncer la rondelle à ces alliés! Tout est bon dans le cochon. Couvrez-moi! Ennemi en vue! Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Attention, ils arrivent! Couvrez-moi, je vais recharger! Voilà, faites attention à lui, il a un lance-roquette. Oh là, t'as trop parlé! Couvrez-moi, je m'en charge! Ah! Ah, c'est que pute! Prenez les munitions et vite! Quand il y a le temps de chargement, là. Enfin, le sauvegarde automatique. Ouais, tout va bien! Tout va bien, comme tu dis. C'est toi qui le dis, oui, surtout. Tout va bien. Tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Et on va arrêter, on va oublier la suite parce que. Alors là, c'est, je crois qu'il faut se rapprocher un petit peu. Pour déclencher l'événement ou s'éloigner, je ne sais plus. Ou alors passer par l'autre côté, c'est peut-être ça. Voilà. Wouhou ! Toi, t'as vraiment une sale gueule d'enfoiré. Faites attention aux voitures dans lesquelles ils shootent, ça peut faire très mal. Munitions, 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 munitions. Ah, fais vite parce qu'il peut arriver très vite vers nous, mec. Et faites attention à ces roquettes bleues aussi. Elles sont téléguidées. Voilà, celle-là. Là. Vous avez des munitions ici aussi. Aïe. Ouh, quand il se met à courir comme ça, c'est jamais bon pour nous. Munitions, 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 munitions. T'es où, mon gros? Bon, j'ai plus le temps de récupérer, s'il se dépêche. Et que je prends pas la voiture. Voilà, c'est bon. Peut-être quel côté, mon gros, que je te fasse la peau. Allez, viens voir, tonton. Je vais t'offrir ton cadeau, même pas Noël. Tiens, et de une... Et de deux, ouf, aïe. Et voilà. Ah, je t'ai fait du bien, mon ami. Et là, forcément, on lui arrache un petit morceau. Tiens, cadeau, une lentille. Dans les bijoux de famille. Bonne nuit, mon petit. Je suis ravi de t'avoir connu. On va prendre notre arme. Voilà, en plus, on gagne en Lego maximum. C'est génial. Roi de la roulette. Éliminer le Battle Lord à Las Vegas. Voilà, donc le Battle Lord a plu. Duke, oh. Par ici. Dylan. Putain de merde, quel bordel. Le président va chier dans son froc quand il va voir ça! Faut que j'en retourne au barrage! Tu dois atteindre ce putain de Duke Dome! Mais va falloir que tu rentres dans la merde, par contre! Ah ouais... Bon, bah j'y vais alors, on va aller ramper dans la merde. Ah non! Qu'est-ce que c'est que... Oh non, je veux pas jeter... je veux pas cette arme-là, moi. M'en fiche, j'ai lance-roquette. C'est celle-là que j'aime. Et on y retourne. Duke Dom, me voici.
Hey, toujours ici que je vais vous couper le chargement. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il va y avoir derrière ce chargement. Parce que je trouve ça plus marrant de mettre un petit peu de suspense dans les vidéos. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis encore désolé pour le retard que j'ai pris. On se retrouve très bientôt pour la suite des événements, voir un petit peu ce qu'il y a derrière ce temps de chargement. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur et à ciao tout le monde. Salut !